J'ai couvert le bord. Avance, 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 Patrick. Ça a coupé par inadvertance après le radar. On a Les gars, vous restez derrière le cortège, s'il vous plaît, les gars. C'est une manif photo là, vous restez derrière le cortège. On n'a pas le droit de dépasser un cortège de moto. Avance, Patrick, avance. Sauf une fois, j'ai cramé le scout. Il a fallu que je sorte tout de suite du cortège pour pas qu'il crame sur le périph. La pompe à eau était complètement dégagée. Le bouche en huile avait explosé, il y avait de l'huile plein de moteur. Et je croyais que c'était la Harley qui était devant moi. Et ça fumait comme ça, on pouvait plus. Les Harley de biker là, après il y a...
degrés à l'ombre. 3h52. Il reste une heure de manif. Un tour de périph, presque. Ah, dans les bouchons, ils pourront regarder. Dans les bouchons, ils pourront lire les motocollants qui ont été collés. De Saint-Cloud, on rentre à nouveau là et on prend le ferry dans les deux sens. Ouais, dans les deux sens. Et TF1, que dit TF1? TF1 n'a rien vu comme d'habitude. TF1 a vu 4 motards sur le ferry, même pas. TF1 ici, et TF1 ne voit rien. TF1, il a dit, il y en avait 10. Père
perte de vue. TF1 n'a rien vu. CNews n'a rien vu. Donc n'oubliez pas de vous abonner, Moteur en colère sur YouTube. À 1000, on retransmet tout ça en direct. Là, on va ne faire que de la rediffusion. En différé. Comme ils savent si bien faire à la téloche. Roulez libre. Sur YouTube, roulez libre. Ah, c'est bon, j'ai le micro. Ok, chers amis automobilistes. Nous sommes là aujourd'hui pour demander la légalisation de la circulation en interfile. Plus il y a de motos qui peuvent circuler en interfile et plus il y a de place pour vous. Les motos en interfile, c'est plus de mobilité et moins de bouchons pour les automobilistes. Donc c'est bien pour vous aussi, chers amis. Et aujourd'hui, on se bat aussi pour votre mobilité, pour que vous puissiez circuler dans de bonnes conditions. Il est 16h pétante. En mode 2. Nous avons parcouru presque 40 000, 40 km, presque un marathon, en 2h42, à la vitesse moyenne de 14 km/h, et litre, très peu de litre au centre, c'est pas écrit, 26,5 degrés. Ce qui marche, c'est le camion. Ah, la caméra était arrêtée. Oh putain, elle va pas venir. C'est vraiment la merde, cette caméra. La caméra était arrêtée, on était dans le snow 100, je sais même pas si ça a filmé. Ouais, je me disais 13 minutes, ça fait pas beaucoup. Le périph dans les deux sens, mais je sais même pas ce que ça a pris. Merde, 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 merde. Là, on sort de la porte de Saint-Cloud. On est rentré par la porte de Saint-Cloud. On arrive à la porte de Sèvres. Porte de Versailles. Avec ça, s'ils nous ont pas vu. Toute la bonne partie du croisement moto est loupée, j'ai l'impression. Donc il y avait des motos dans les deux sens. Entrée, sortie, intérieur, extérieur. Porte 5.
copains qui sont partis depuis 2h de l'après-midi.
police arrive. À gauche là-bas, c'est vachement bizarre. Ça remonte, ça monte en interdit. J'ai jamais vu ça, c'est ça circule bizarrement en fait. J'ai l'impression qu'ils ont ouvert une porte là-bas au fond. Bon, on va essayer de laisser la caméra comme ça, parce que le téléphone n'aille un peu plus.